Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Nous avons ouvert ce concert avec deux compositions du saxophoniste américain Logan Richardson, qui est l'invité du Conservatoire cette semaine pour une classe de maître, comme on dit, dont cette soirée constitue en quelque sorte le point d'orgue, puisque les étudiantes et les étudiants se sont appropriés son univers, son répertoire, sa manière d'investir le champ de la musique aujourd'hui en 2022. Logan Richardson, c'est l'un des musiciens qui compte sur la scène internationale depuis déjà une bonne quinzaine d'années. Il s'est imposé très jeune comme l'un des saxophonistes et compositeurs les plus singuliers, les plus influents de sa génération. Il a participé à plusieurs aventures collectives aux États-Unis notamment, mais pas seulement, tout en signant sous son nom des enregistrements qui ont fait date pour la plupart. Je ne citerai que le dernier, Afrofuturisme, qui n'est pas sans lien avec la thématique du département jazz et musique improvisée ici au Conservatoire. Cette thématique que le département a choisie pour cette année autour du rapport jazz-improvisation et science-fiction. Bonsoir Ricardo Delfra. Bonsoir. Vous dirigez le département jazz et musiques improvisées ici au Conservatoire depuis déjà quelques années. Alors comment ça se passe? C'est un état dans l'état? C'est un département qui communique avec les autres départements? Bien sûr, nous avons plein de passerelles. Mais la particularité de cette année, c'est cette thématique qui nous permet de regarder surtout vers le futur, en fait. Nous avons eu des interventions de spécialistes dans des choses liées aux machines, à la musique électronique, des musiciens d'avant-garde. Et nous sommes très heureux d'avoir un musicien extraordinaire comme notre invité Logan Richardson, qui représente beaucoup de choses pour nos élèves et pour les amateurs de jazz d'aujourd'hui. Car en fait, nous avons passé des journées vraiment particulièrement spéciales, je dirais, parce que non seulement il a apporté sa musique, mais avec sa musique, un regard sur la musique tout court, qui est très personnel, très profond, et n'est pas sans relation justement à une vision future, futuristique, et en même temps très écologique, très investie humainement, et je dirais même philosophiquement. Il y a quelque chose qu'il a dit... Socialement, politiquement, tout à fait. Tout ce qui va avec. Là, on ne parle pas seulement de technique et de musique. Non, tout à fait. Et ce qu'il a dit, je retiens, parmi les nombreux messages qu'il nous a donnés, il y a une phrase qui me reste dans l'esprit. « The responsibility is not a burden. » La responsabilité, ce n'est pas un fardeau. It's a gift. C'est un cadeau. Et l'autre chose, pour résumer tout ce qu'il a demandé au fur et à mesure aux élèves, lesquels ils ont assuré vraiment cette demande de sa part, c'était toujours « more, more, more ». Ce n'était pas simplement du volume, c'était du « more music ». Et je dois dire que pour l'aider dans sa tâche, nous avons chaque année... Oui, puisque année, vous parlez de responsabilisation, de responsabilité, donc chaque année, il y a quelqu'un que vous chargez d'encadrer cette session, cette masterclass, en assistant l'invité. Tout à fait. Et cette année, pour cet invité en particulier, j'ai pensé à la personne de Christelle Raquillet, qui est notre flûtiste de troisième année, qui a fait un travail remarquable. Je la remercie profondément pour ce qu'il a fait. Vous la verrez tout à l'heure, mais on peut l'applaudir déjà. Bonsoir, Logan Richardson. Bonsoir. On est très heureux de vous recevoir. Ricardo va traduire quelque peu vos propos. Vous êtes originaire de Kansas City. Oui, c'est vrai. Alors, Kansas City, pour les amateurs de jazz, évidemment, ça évoque beaucoup de choses. Les big bands, le blues, la ville du blues dans les années 30, la naissance de Charlie Parker. Mm. Et j'ai vu que vous aviez joué avec Jay McShane. Moi, je croyais que c'était un personnage des années 30, mais vous avez joué avec lui. Yes. Alors que vous êtes très jeune. Yes, very young. I was 14 or 15. À 14 ans. Et Jay McShane, c'est un personnage légendaire de cette histoire de Kansas City. Yeah, absolutely. In this particular moment, I understood who he was from the way someone would describe who he was. Since I was new into the music, it was interesting because he was just always around. Uh-huh. So that was my experience more so than hearing the history. It was just living it in that particular sense. You know? Il a vécu cette expérience, mais en fait, il a compris un peu plus tard, parce que c'est un personnage, naturellement, qui a occupé toute une époque. Il l'a redécouvert au fur et à mesure.
Alors, vous jouez du sax alto comme Charlie Parker, natif de Kansas City, mais chez vous, chez vos parents, on écoutait toutes sortes de musique, et plutôt du funk, de la soul, du pop, du rock, Motown, toute cette musique-là. Et c'est un peu en mélangeant tout cela que vous avez trouvé votre voix. I'm not sure I understood the last part. Yeah, actually. You were listening to a lot of different music with your parents, absolutely. With your family, like Motown. Yes. Oh, yes. Sorry, that's where I lost. Okay. Yes. So, like when I grew up, you know, my mother listened to like many different types of music. So, from if it was gospel, it could be Mahalia Jackson, or if it could be, you know, someone from like Diana Ross to, you know, Anita Baker. So, or Stevie Wonder or Michael Jackson. So, everything was like very different in a sense, you know. Je pense pas qu'il faut traduire les noms de ce que vous avez entendu. Mahalia Jackson. Stevie Wonder. Yeah. Alors, vous faites partie d'une génération qui connaît toute l'histoire du jazz. Je pense à votre ami Jason Moran, qui peut vraiment balayer l'ensemble de la tradition et de la modernité. Juste peut-être une explication sur le titre de votre dernier disque. C'est pour ça aussi que Ricardo a pensé à vous. Mm-hmm. Il y a afrofuturisme, afro et futurisme. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu? Well, I think in a compounded form, I believe that the only way that an African American person or any person coming from a targetable perspective, meaning just obviously different to the status quo, you have to live inside of a Afrofuturistic mindset to be able to establish how to navigate, because the laws of the land are not actually the laws for us. So, je vais essayer. Afrofuturisme, parce qu'en fait, si je résume, les lois qu'on a aujourd'hui, c'est pas forcément les lois pour tout le monde, en fait. Et donc, aujourd'hui, c'est particulièrement, il met l'accent, il met en exergue, en tout cas, le fait de participer à des groupes qui ne sont pas forcément représentés dans les statu quo. Ce qui veut dire aussi que vos concepts, votre façon de voir les choses, peut être valable pour votre musique, mais aussi pour des étudiants à Paris en 2022. Yeah, is that valuable also for people like from Europe in Paris and students actually that come from another culture? Mm-hmm. Is it possible for them to be able to digest that and put it out? Yeah. The similar example I give is if I wasn't born in Italy. But if I want to know how to make a great ragu sauce, then I'm going to have to go spend some time and hang out with grandmothers and watch how they make the pasta and where the water comes from and where the tomatoes come from and then what order it goes in. And then, you know, trial and I'll never be Italian, but I can get close enough because I love the culture enough to understand not only about the pasta and the tomatoes, but the government, the way that people are treated. All these aspects, because you can't do this without understanding why a pasta or ragu sauce is great. So. L'italien va traduire. Je pense que I think it was clear enough. But en tout cas, vous avez compris, c'est un amateur de pasta et de cuisine italienne. Non, c'est pas ça qu'il veut dire. Et il a travaillé ça. Il apprécie de faire ça. Mais il n'y a pas que ça pour comprendre quelque chose comme un aliment. Mais c'est aussi se nourrir en fait de la culture du pays, et je pense que c'est ça qu'il veut dire, et c'est ça qui donc est possible aussi. Même s'il ne sera jamais italien. Voilà. That's the easiest way to say it. You have to get the culture if you want to get the music. Like I can't get klezmer music if I don't go spend some time in Jerusalem or somewhere in a place where they're playing. Comment on peut pas comprendre la musique klezmer si on va pas à Jérusalem, etc. Et pour d'autres exemples pareil. Alors, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'ils ont bien réagi? Est-ce qu'ils ont bien joué? Est-ce qu'ils ont joué le jeu? Did they play the game? Are you satisfied with the students? Oh, I'm more than satisfied. I've been raving about how amazing all of the students are. Not only in terms of their level of proficiency, which, you know, which is expected, but also the level of the minds and how tough they are, because I'm tough. So I'm not easy, but it's designed to be able to weed out the weak. Uh-huh. OK, il n'est pas simplement impressionné par les niveaux, c'est quelque chose qui attendait ça,
mais c'est aussi en fait la profondeur, je dirais, et même la dureté, parce qu'en fait, il y a une exigence chez nos étudiants et l'exigence qui ressemble à la sienne. Il y a des fois, Only one note. When I say tough, you have to understand, because you may think it's like tough. Tough meaning I make you look at yourself. Tough dans le sens que je te fais regarder toi-même. And that, more. More, that. more. Then more music comes out, the more you do that. En effet, la singularité de chacun qui doit ressortir dans le collectif. Merci beaucoup, Logan Richardson. Merci à vous. On retrouve les étudiantes et les étudiants pour deux nouvelles compositions de Logan, et puis on se retrouve après avec Christelle. Merci.
Bonsoir Christelle Raquillet. Bonsoir. Alors, vous avez été chargée par Ricardo Delfra d'encadrer ce travail toute cette semaine avec Locan Richardson. Est-ce que vous connaissiez la musique, l'univers, le répertoire, la personnalité de Locan Richardson par des concerts ou par des disques? Je connaissais la personnalité, oui. Je connaissais ses featurings, quelques albums de jazz actuels, mais je connaissais pas vraiment son univers à vrai dire. Et du coup, cette charge d'organisation que j'ai eue m'a fait me plonger dans son univers et c'était vraiment une fantastique découverte. Alors précisément, comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes procuré des enregistrements? Vous avez communiqué avec lui des partitions? Ou tout a commencé cette semaine? Tout est allé très très vite. Ouais. Et j'ai beaucoup écouté avec certains du département. On a choisi des titres qu'on a relevés et Locan nous a envoyé aussi quelques morceaux. Ouais. Et voilà, c'était un gros challenge que de relever sa musique qui est très organique. Et il a fallu trouver une manière de l'écrire. Et c'était vraiment très intéressant. Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est sur le plan de la notation rythmique? C'est sur le plan d'orchestration? La notation rythmique. Oui. C'est une musique qui est vraiment très, très organique. La pulsation est très fluide, mais c'est très difficile de savoir en quelle métrique l'écrire. Donc voilà, on a eu des petites surprises en arrivant. On n'avait pas forcément fait les bons choix, mais du coup, c'était très intéressant de le travailler. Vous avez travaillé en amont avant son arrivée, depuis combien de temps? Quelques semaines, quelques mois? Une semaine avant, on a commencé les répétitions. Oui. C'était très, très dense, mais hyper intense. Alors après, quand il est arrivé, comment est-ce que vous êtes réparti le travail entre Locan, qui encadrait certaines choses, et vous? Est-ce que vous êtes réparti les rôles? Moi, j'avais un rôle de planning, surtout. Ouais. Je disais qui joue quand. Ne soyez pas modeste. Non, mais c'était ça, j'avais des tableaux Excel, quoi. Et Locan était hyper dispo. Donc, en fait, on a vraiment pu faire ça de manière très fluide. Ça s'est fait tout seul, quoi. Merci beaucoup, Christelle. On va vous retrouver tout à l'heure avec un des étudiants. Et en attendant, on va reprendre le concert avec deux nouvelles compositions de Locan Richardson. Merci, bravo. Thank you.
Rebonsoir Christelle, et on va accueillir aussi Oscar Viret. Bonsoir Oscar. Bonsoir. Alors vous êtes en première année, je crois. Oui. Vous êtes trompettiste, on vous a entendu au début du concert, et vous connaissiez la musique de Logan Richardson. Vous étiez même un fan, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Toujours ouais. Un fan. Hein. J'espère que ça ne s'est pas atténué avec cette semaine. Non, oui, complètement. C'était... Qu'est-ce qui vous touche dans cette musique, dans cet univers de Logan Richardson? Ça fait 3-4 ans que j'écoute la musique de Logan très régulièrement. Et il y a beaucoup de choses qui me touchent. Il y a le fait qu'entre chaque album, c'est un univers complètement différent, que tout son lyricisme me ouais. parle, la façon dont il a l'approche de la musique qu'il a. Voilà, ça me parle beaucoup. Alors, vous dites une musique qui se renouvelle, une musique lyrique, c'est ça qui vous motive? Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'originalité de son approche rythmique aussi. Vous, c'est plutôt ce qui vous touche, c'est l'invention mélodique? C'est vraiment un tout. Ouais. C'est un tout. Et là, notamment, ces 3 jours avec lui, c'était une autre façade, une autre façon de voir sa musique, parce que j'ai l'habitude de l'écouter, mais pas de la jouer. Ouais. Et là, le fait de la jouer, c'est un autre univers, c'est une autre approche qui nous met vachement à nu et qui est une éclairance qui rend super. Et voilà, on voit où est-ce qu'il faut travailler maintenant. Enfin, y a plein alors, de choses. Dites-nous ce que vous avez travaillé maintenant. Notamment l'aspect rythmique, mais plein d'autres choses. C'est aussi vachement dans la tête sur voilà, la place d'un artiste aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à défendre? Qu'est-ce qu'on a à dire? Il ne vous a pas seulement parlé de musique, il vous a parlé d'autres choses que de musique aussi. Oui, je suis plutôt d'accord sur le fait que la vie, ça alimente la musique. Ouais. C'est un tout, et pour moi, c'est un des artistes qui le fait très bien, et on le ressent. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Et voilà, j'ai l'impression de le connaître un peu plus, alors qu'on n'a pas non plus parlé de la vie de tous les jours, mais le fait de l'entendre, le fait de le voir jouer aussi, en vrai. C'est différent de quand vous allez voir quelqu'un en concert, j'imagine, le fait de travailler plusieurs jours avec quelqu'un, d'être en proximité avec son univers. Bien et il y a des choses qui vous ont surprise dans ce qu'il vous a dit ou dans la manière dont il vous a fait travailler? J'avoue que je ne m'attendais pas à quelque chose de précis, parce que moi, j'ai vraiment l'habitude de juste écouter sa musique. Il n'y a pas non plus beaucoup d'interviews, donc c'est vraiment une chance de pouvoir le voir en vrai, de pouvoir communiquer, d'avoir des retours sur ce qu'on fait, sur comment on interprète sa musique. Voilà, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Oscar. Christelle, j'ai une autre question sur votre rôle de responsable d'encadrement de ce travail sur ces quelques jours. Est-ce que ça fait évoluer dans votre esprit la manière dont vous voyez le métier de musicien? Parce que finalement, être interprète, être musicien, musicienne aujourd'hui, ce n'est pas seulement jouer d'un instrument, ça induit énormément d'autres choses à côté, y compris, par exemple, l'organisation, la prise en charge d'un certain nombre de choses, et puis l'aspect pédagogique aussi. Oui, alors j'étais au courant que c'était un sacré boulot, la production de spectacle. Là, c'était une vraie leçon pour moi. Je comprends pourquoi il faut des gens qualifiés dans chaque spécialité. Je comprends pourquoi les musiciens ne sont pas toujours ceux qui font également la production, même si très souvent on a à le faire. C'était hyper enrichissant pour moi de pouvoir côtoyer tous ces corps de métier pendant ces 3 jours. J'ai appris énormément de choses. Et pour le côté pédagogique, voir Logan œuvrer, c'était extrêmement intéressant, parce que moi j'ai donné quelques cours dans ma vie, mais j'ai jamais donné de masterclass, et je sais que ça me terrorise, cette idée de passer 3 jours avec des gens. Vous n'avez pas l'air tellement terrorisé, de l'extérieur en tout cas. Mais en tout cas, il fait ça extrêmement bien, c'est-à-dire qu'on voit qu'il veut nous amener quelque part, et pendant ces 3 jours, il y a vraiment eu un cheminement. Il a dit le bon nombre de choses qu'il a répétées, puis il a pris de la réserve sur d'autres. Et en fait, le résultat est là. On est tous hyper contents de jouer ce soir et on est tous bouillonnants. Et tout ça parce que voilà, il nous a bien mis dans la bonne énergie. Enfin, c'est assez impressionnant. Pour avoir passé l'après-midi ici avec les répétitions, je dois dire qu'il y a une très bonne ambiance, hein, y compris en coulisses. Alors, puisque vous dites que vous êtes tous à fond, on va quand même les citer, alors l'ensemble des musiciennes et des musiciens qui ont participé. Je vous laisse dire leurs noms. Oui, alors déjà, je tenais tout particulièrement à remercier Tamino et Léo qui m'ont aidé sur le travail de relevé et d'arrangement.
Et je voulais citer aussi tous les musiciens et toutes les musiciennes, parce que même si vous avez un programme, leur nom ne sera pas cité, il sera dans le générique. Donc on avait Victor, Grégoire, Maxime, Eolo, Désiré, Sofiane et Jérémy au saxophone, Oscar et Léo. Oui, on peut les applaudir. Oscar et Léo à la trompette. Balthazar et Gaspard au trombone. Thierry au vibraphone, Noé et Levi au piano. Au guitare, Loan, Corentin et Benjamin. À la contrebasse, Baptiste, Léna, Simon et Gabriel. À la batterie, Tamino, Paul, Zachary, Émile et Aurelio. Au chant, c'était Inès Matadi. Et évidemment, au saxophone alto, Logan Richardson. Et Christelle Raquillet à la flûte. Merci beaucoup à tous les deux, Oscar et Christelle, et on se retrouve pour trois derniers titres, trois compositions de Logan Richardson pour refermer ce concert. Thank you.
Merci.